Salut à tous, c'est j'espère que vous bien, moi ça avance tout pour l'épisode final de New Super Mario Bros. Oui, donc du coup c'est parti. Du coup, le château final. Monde 8, niveau final. C'est parti, c'est maintenant le niveau final. C'est parti. Du coup, je me rappelle plus du tout comment il ressemble ce niveau. Je vous dis tout de suite. Oh putain. Ça va. Même jeu. My god. Mais putain, ça m'a un peu touché là quand même. Bon. Ok. Ah ouais, ça je m'en rappelle. Ça je m'en rappelle des plateformes qui tombent. Quand on me rappelle pas, est-ce qu'il est lent le niveau en lui-même ou pas? Techniquement, il y a le boss final, donc d'après moi, il devrait pas si long que ça. Mais quand même, c'est quand même le niveau final, donc. Ouais, c'est de ça que je me rappelle. Genre, les plateformes qui tombent, il faut que tu changes de plateforme. Ok, pour l'instant on se débrouille bien. Pour l'instant on n'est pas trop près de la lave. Ok, non. Le tuyau ici. Quoi, on est déjà arrivé? Putain, je croyais que le niveau était plus long que ça. Ah, y'a même. Ah, d'accord. J'ai cru qu'il n'y avait pas de fleur de feu, je suis genre, what the fuck. Ah, l'autre bloc, je crois qu'il devait avoir un champignon et l'autre une fleur de feu. Pour s'assurer quand on est bien pour affronter le boss. Ah, d'accord, Bowser nous tire carrément dessus. D'accord, il essaie de nous viser, donc nous, faut qu'on avance. Putain. Ça va. C'est parti, le boss final, Bowser. Du coup, comme dans les Mario, voilà, faut juste attendre qu'il saute. Ah, je peux essayer de le tuer comme ça. Là, il me semble que c'est... Faut j'attends qu'il saute, ou je peux le toucher simplement avec les boules de feu. Soit je tue avec les boules de feu, soit j'appuie sur le bouton là-bas. Voilà. Lol. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Bowser est un boss trop facile à battre? Waouh! D'accord. Je me disais qu'elle était un petit peu trop petite. Dans la cage, genre. Je me disais qu'elle ressemblait pas vraiment à Peach, la cage. C'est parti, Bowser géant. Ah ouais, je me rappelle. Il va tirer des boules de feu, et ces boules de feu peuvent détruire les murs. Donc, c'est de ça qu'on a besoin, du fait qu'il peut viser les murs par avancer. D'accord. C'est bon. Ah oui, continue. C'est bien, ça... Laisse-moi monter quand même. Donc, fleur de feu. Non! Ok. Ah, d'accord, et pièces. Il y a des pièces ici. Ok. Une vie supplémentaire, ouais. Ok, allez, faut qu'on continue. Donc, s'il y a de la lave, putain.
Ah ouais, champion hélicoptère. On va en avoir besoin, je crois. Ok, à partir d'ici, je crois qu'on n'a pas vraiment besoin de Bowser, mais... Top top. Putain, les plateformes qui montent. Ça va, la lave me touche pas de là. Non! C'est bon, la plateforme. J'ai cru que la plateforme allait juste se mettre à un endroit que je pouvais pas la prendre. Non! J'ai fait l'hélicoptère! Non! J'avais fait l'hélicoptère, bordel de merde! J'avais fait l'hélicoptère, ne me mens pas le jeu. J'avais secoué par le pouvoir de la secoue. Pouvoir de la secoue. Pouvoir de la secoue. Ah non, il y a... Ah d'accord, je croyais qu'il allait avoir un champignon, une fleur de feu. Bon. Allez, on reprend quand on était. C'est bon. Voilà, on est arrivé ici. Voilà, vous vous souvenez, il tombe. Mais là, quelque chose, il n'y a pas de cage. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de cage? D'accord, c'est juste pour aller plus vite. Dommage qu'on peut pas skipper la cinématique. Bon. Ok, du coup. Allez, cette fois, faut l'avoir. Non mais sérieux, genre j'avais secoué. Et pourtant, voilà. Genre le mec a dit non, non, t'as pas secoué du tout. Ouais, débrouille-toi pour quand... Pour recommencer le niveau. Waouh. Allez Bowser, tire. Tire. Waouh, c'est... on doit le dire, c'est quand même assez stylé. C'est genre Bowser est assez puissant quand on ne peut pas lui donner de coups. Genre on est obligé de fuir, d'utiliser ses attaques pour fuir. J'essaie de prendre l'objet ici. Et qu'est-ce qu'un petit Goomba fait ici? Il est pas genre what the fuck Bowser est en train de... Il est géant quoi. Ok. C'est bon, on est là où qu'il y a le champignon hélicoptère. Champignon hélicoptère qui va nous faciliter énormément la tâche. Bah c'est possible de faire sans hélicoptère mais disons... c'est plus facile avec l'hélicoptère. D'accord, fais attention à la lave quand même. Putain, putain. Je vais te sauver, Peach! On l'a eu, c'est bon? Assez puissant quand on lui a pris aucun coup, c'est vraiment, on est obligé d'appuyer sur un bouton. Tam 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 tam. Et voilà. Nice. Ah, en plus, il fait jour. Genre, vraiment, il y a... Ah, d'accord, donc le bouton n'a pas juste enlevé la lave qu'il y avait dans le château. Ou si, la lave dans le monde, quoi. Ah, Luigi, les Toads. Ah, pour ceux qui ne savent pas, en fait, en multijoueur, si vous jouez en multijoueur, en fait, vous avez le joueur 1 est obligé d'être Mario, et le joueur 2 peut être soit Luigi, soit un des deux Toads, le jaune ou le bleu. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Sans gentil étonne. Oh Mario, t'as déjà parlé du monde spécial?
Non, tu n'en as jamais parlé et non, je ne ferai pas en l'expliquer. Ah là là. Ah là là. Et voilà. C'est terminé. Voilà, on voit les mecs danser. Et voilà, on peut contrôler Mario. Bon, générique de fin. On peut faire ça. Simplement détruire le générique de fin. Gagne des pièces. Par contre, je crois que c'est impossible de tous les détruire, hein, les blocs. Qu'est-ce que ça fait en fait si je joue trop haut? Ah, d'accord, en fait, je peux pas aller trop haut. Eh bien, en tout cas, voilà. Le Let's Play sur New Super Mario Bros. Wii est terminé. Du coup, j'ai vraiment aimé. Franchement, j'ai vraiment aimé le jeu. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup, qui a beaucoup été dans mon enfance. Mais déjà, c'est pas mon Mario préféré. Vous savez, mon Mario préféré, c'est quand même Mario dans les Mario Galaxy 1 et 2 et Mario Odyssey. Mais voilà. Pour les Mario 2D, moi, je dirais soit Mario Bros. Wii, soit non, Mario Bros. Super Mario World et Mario Bros. 3. Mais j'ai quand même beaucoup aimé Mario Bros. Wii. Normalement, on a un monde spécial et voilà. Si vous voulez faire un monde spécial, normalement, voilà, il faut juste avoir toutes les pièces étoiles de chaque monde. Et si vous faites ça, vous gagnez un niveau. Quand j'étais petit. Par contre, quand j'y jouais, moi, perso, j'ai juste pu ça avoir un seul monde. Un seul niveau du monde. Monde spécial. Du coup, voilà, vu que l'Explay Mario Bros. Wii est fini, alors, qu'est-ce qui va remplacer l'Explay Mario Bros. Wii? Eh bien, ça va être l'Explay. Non, du coup, voilà, maintenant que j'ai plus de Mario Bros. Wii à faire, maintenant que l'expo est fini, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est la question. Qu'est-ce qui va remplacer Mario Bros. Wii? Eh bien, ce sera Wario Land. Voilà, Wario Land. Shake It sur Wii. Voilà, même si c'est pas un jeu Mario, Wario, Wario a quand même paru dans Mario Land. Mario Land, qui est quand même un jeu Mario. Donc, voilà, quand même, je me fais logique comme ça. Et voilà, quand même, il est quand même paru dans beaucoup de jeux Mario, même si que Wario c'est quand même un perso de Wario Land et WarioWare. Mais voilà. Et en plus, voilà, je voulais faire le XP dessus, voilà, le petit XP sympa. Du coup, voilà. Même si normalement j'ai genre le rythme d'épisode, genre Mario Bros. Wii, Dragon Ball FighterZ. Sonic 2006 et Pokémon Y. Là, bon, juste après cette vidéo, je vais filmer un épisode de Wario Land. Shake It. Bah, si j'ai assez de batterie, mais après moi je devrais en avoir quand même assez. Alright, include the copyright of the game, scénario, musique et programme reserved by Nintendo. Ouais, non, perso, voilà, j'ai beaucoup aimé le jeu. Vraiment, c'est un jeu que je m'éclate du début jusqu'à la fin. Un cinématique. Ah, non, on envoie nos mangas fiers là-bas. Ah, lui, c'est lui du monde 1, c'est le boss du monde 1. Oh putain, pauvre Bowser. Bon, bah, c'est une happy ending pour nous, mais pas pour Bowser. Une fin heureuse pour nous, mais pas pour Bowser. Et voilà, le monde spécial est débloqué, mais on ne le fera pas. Partie sauvegardée. Voulez-vous retourner à l'écran de titre? Vous pouvez maintenant sauvegarder à tout moment depuis le menu de la carte. Ok. Eh bien, écoutez les gens, ce sera tout pour ce Let's Play Mario Bros. Wii. Donc, si vous avez aimé le Let's Play, vous pouvez laisser un pouce bleu, commentaire, plaisir, abonnez-vous, c'est pas fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et bye.